autre chose, il me reste des asticots blancs. Il y a des choses que j'utilise tout le temps. Il y a deux choses qui viennent d'Angleterre, chez la marque Baghem. C'est des super sweet meat. Meat dye, en fait, c'est tout simplement des colorants asticots. Alors un qui est épicé, un qui est à base de viande de porc. Donc aujourd'hui, bon, je vais essayer, il fait encore un peu froid, je vais prendre un peu l'épicé. Alors l'épicé, il est de couleur jaune. Donc eux préconisent pour la moitié, enfin pour une pinte, ce qu'eux appellent une pinte, une cuillère à café de ce produit là. Donc bon, moi je vais faire la louche, il me reste plus grand chose. Hop, voilà, j'en ai mis un tout petit peu. Je le mélange. Vous voyez, mes asticots sont jaunes. Ils vont continuer à ingurgiter à la poudre, cette poudre jaune. Donc, ils vont continuer à se teinter. Ça, vous pouvez le faire la veille, hein, sans problème. Donc ça, je vais les garder, ce qui me permettra aussi d'envoyer et peut-être dêcher avec.